Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Hebdo sur TV78. Comme chaque vendredi, l'actualité du jour, l'essentiel de la semaine. Voici les titres de ce 17 mai 2019. 650 millions de personnes dans le monde souffrent d'obésité. Mot d'ordre pour les journées européennes qui se tiennent actuellement. La maladie peut se guérir. Nous en parlerons avec Claudine Canal, présidente de l'association Les Poids Plumes. Jusqu'au scrutin du 26 mai, nous vous proposons de suivre la campagne européenne dans les Yvelines, reportage lors des meetings, rencontre des candidats. Aujourd'hui, nos trois questions seront pour Mathilde Androuet, 22e sur la liste du Rassemblement National. Et du côté de l'essentiel de la semaine dans les Yvelines, François Morton, nouveau maire de Guyancourt, Sciences Po Saint-Germain qui lance un diplôme sur le renseignement et Paris-Saclay met en avant ses innovations avec l'événement Spring. Claudine Canal, bonjour. Bonjour. Et bienvenue en plateau, présidente de l'association Les Poids Plumes. Vous êtes aussi vice-présidente du collectif national des associations d'obèses. Aujourd'hui et demain, samedi 18 mai, ce sont les journées européennes de l'obésité. Avec un thème cette année, l'obésité est une maladie qui se soigne. Pourquoi ce choix déjà? Parce qu'en fait, la population n'est pas au courant. C'est une journée qui est destinée pour informer la population que l'obésité est une maladie. Et il faut arrêter tous les dictats qu'on peut recevoir en disant que c'est un état de fait. Oui, aujourd'hui, on considère encore, malgré l'évolution de la communication autour du sujet, que ce n'est pas une maladie. C'est la faute des personnes qui sont obèses, pour faire simple. Et ce qui est encore plus grave, c'est que même dans le monde médical, certaines personnes disent que ce n'est pas une maladie. Avec un effet néfaste, on l'imagine, sur les malades, en plus. En plus, bien sûr. Psychologiquement. Ils sont victimes de discrimination et... Et ils vont plus se faire soigner et c'est très grave. L'obésité est une maladie. Je vous propose de regarder ce spot justement et puis nous continuons la discussion juste après. Je vous présente Amanda. Vous la rencontrez pour la première fois et vous pensez probablement qu'elle mange beaucoup et qu'elle fait peu de sport parce qu'elle est obèse. La plupart des gens pensent que ceux qui gèrent bien leur équilibre énergétique restent minces alors que ceux comme Amanda qui mangent trop et ne font pas assez d'exercice physique deviennent obèses. Nous voyons l'obésité comme un choix de vie. Et le traitement est simple, manger moins et faire du sport. Cela paraît logique, mais c'est faux. Que se passe-t-il si Amanda décide de perdre du poids en se mettant au régime? Après tout, les gens atteints d'obésité devraient manger moins. Voilà ce qu'il se passe. Elle perd du poids, mais ses niveaux d'hormones changent. Son cerveau entend tout ça et commence à agir pour rétablir le niveau de masse graisseuse qu'elle a perdu. Elle a faim plus souvent, et sans le savoir, elle brûle aussi moins de calories qu'avant. Car le cerveau a sa propre perception des calories dont le corps a besoin. Il n'y a pas qu'une seule cause qui explique le taux d'obésité qui augmente. Les changements des modes alimentaires liés au contenu chimique et nutritif, une activité physique moins fréquente, des niveaux de stress plus élevés, un sommeil insuffisant et perturbé jouent tous un rôle et entraînent une prise de poids. Il est temps d'arrêter de dire à Amanda que c'est de sa faute si elle est obèse. Il est temps de reconnaître que l'obésité est une maladie, pas un choix de vie. Et que ceux qui en souffrent méritent d'être soignés et non pas jugés au premier regard. Il est temps d'agir contre l'obésité. Aujourd'hui et demain, samedi 18 mai, ce sont les journées européennes de l'obésité. Nous en parlons donc avec vous. En France, 15,3% des adultes souffriraient de cette maladie. Est-ce que c'est un chiffre qui doit inquiéter? Et puis surtout, dans quelle proportion il évolue? Alors, il évolue très vite et ça touche de plus en plus, en fait, les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi ces journées, pour informer la population. Et c'est très important que les gens prennent... conscience que c'est une maladie, qu'il faut qu'on se soigne et qu'il y a différentes pistes pour se soigner. Et il faut vraiment avoir affaire à des professionnels de santé qui sont au courant de cette maladie. Pour être considéré comme obèse, il y a l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle notamment, qui est un indicateur. S'il dépasse les 30, on est considéré comme obèse. Déjà, il y a un surpoids à partir de 25 et à partir de 30, c'est l'obésité. Le calcul est plutôt facile à faire, vous trouverez les outils sur Internet. À quel moment on doit s'inquiéter et à quel moment il faut agir véritablement? Quand on voit que notre prise de poids, elle est importante. Mais bon, l'obésité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une maladie qui peut effectivement engendrer diverses autres maladies,
puisque c'est pas une maladie orpheline, malheureusement. Elle récupère tout au passage et il faut s'inquiéter quand on commence à peut-être prendre du poids, mais c'est peut-être un indicateur, mais c'est pas le seul, je dis bien. L'obésité, c'est beaucoup plus multifactoriel. Il faut vraiment avoir recours. Donc c'est le thème de cette année, c'est le bon parcours de soins. Pas aller voir des charlatans, parce qu'il y en a beaucoup qui... Moi, j'aime bien cette expression, se faire du gras sur les gros, excusez-moi, mais c'est complètement ça. Et il faut vraiment s'orienter vers des parcours bien ciblés et bien cadrés et voir un psychologue, parce que ça peut venir aussi par rapport à un problème psychologique. Du stress, du sommeil aussi. L'apnée du sommeil, l'hypertension. Il y a plein de facteurs qui sont, comme je vous disais, on récupère tout au passage. Donc l'obésité, c'est une maladie qui récupère toutes les maladies associées orphelines, quoi, voilà. Donc c'est une maladie et ça se soigne véritablement, on peut se soigner, voilà. Quels sont les bons professionnels vers qui s'orienter, quels sont les parcours de santé, même si j'imagine c'est propre aussi à chaque personne. Alors il y a différentes choses, il y a des parcours médicaux, donc on peut avoir recours à ces parcours dans des soins de suite de réhabilitation. Déjà aujourd'hui il y avait une journée pour les adolescents au centre Bullion. Il y en a tout autour de Paris, donc j'invite les personnes à nous contacter. On les orientera, parce qu'il y a aussi des parcours pour les adultes. Quels sont les professionnels à voir ? C'est le diététicien, déjà faire un bilan nutritionnel pour savoir où on en est, des analyses biologiques, voir un nutritionniste, voir un psychiatre ou un psychologue, parce que c'est une maladie qui peut résulter de chocs ou des choses comme ça, et c'est important. Et puis bien entendu, revoir et de voir avec son généraliste où il peut l'orienter. Il n'y a pas que la prise en charge chirurgicale. Ah non, ce n'est pas une finalité. La chirurgie de l'obésité, c'est vraiment le dernier recours. Ça s'adresse à des personnes qui ont tenté plein de choses et qui ont eu des régimes à rebond et ça va pas. Et il y a aussi des critères. Là, on est au-dessus des critères annoncés tout à l'heure. Pour avoir recours à la chirurgie, il faut avoir au moins un IMC à 35 avec des maladies associées. Mais c'est pas une baguette magique, comme le dit notre affiche, justement. Il faut vraiment prendre conscience et être acteur aussi de sa santé. Et pas le faire parce que c'est de l'esthétique, c'est pas de l'esthétique. La chirurgie de l'obésité, c'est vraiment c'est quelque chose qui va vous donner un coup de pouce. Mais ça va pas tout faire si on n'associe pas tout ce qu'on apprend en éducation thérapeutique. Malheureusement, ça ne marchera pas. Et puis le regard des autres doit changer aussi, c'est l'objectif de ces journées. Et il y a un mot qui vient d'apparaître dans le dictionnaire, c'est la grossophobie. Est-ce que pour vous c'est un premier pas vers déjà une reconnaissance de cette discrimination aussi ? Oui, c'est déjà un pas. Donc c'est Madame Bidard, il me semble, qui avait évoqué le problème, je crois que c'était en décembre 2018, il me semble bien. Non, 2017, excusez-moi, je ne sais plus, bon, peu importe. Et grossophobie, il faut prendre conscience justement parce que les personnes qui souffrent de surcharge pondérale, elles le vivent mal et on les regarde. Alors déjà, quand on prend les transports en commun, par exemple, on nous regarde de la tête aux pieds en disant « Ah non, il ne va pas s'asseoir à côté de moi, c'est pas possible ». Enfin, c'est vraiment la population. Et il faut aussi dire qu'on est obèse, mais ce n'est pas de notre faute. Et l'obésité, si on la soigne pas, on peut aussi en mourir. Donc ça, c'est deux faits qui sont super importants. Et puis pour terminer cet entretien, un mot tout de même sur les actions aussi. Il y en a à travers toute la France, il y en a dans les Yvelines. Dès aujourd'hui, vous en avez mené. Et il y en aura demain aussi, ce sera à l'hôpital privé, la clinique de Trappes. Pouvez nous en dire quelques l'hôpital mots. L'hôpital privé de Trappes, oui. Donc, on initie un groupe de parole à peu près tous les deux mois, justement, pour aider les personnes qui rentrent dans un parcours de chirurgie à passer le cap, parce que c'est pas facile et c'est un parcours qui est très long et si on prend pas conscience qu'on doit avoir un suivi à vie, c'est loupé, quoi. On a loupé le coche. Merci à Claudine Canal d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Poids Plus, mais aussi vice-présidente du collectif national des associations d'obèses. Voilà, et on peut nous retrouver dans différents points du département. À Port-Marly, à l'hôpital privé de Trappes, comme vous l'avez énoncé, à la clinique Saint-Louis aussi à Poissy, et à l'hôpital Poissy-Saint-Germain. Et il y a votre page Facebook aussi, voilà, Les Poids Plumes.
Merci à vous. On quitte le domaine de la santé pour évoquer celui de la politique à présent. Dans une semaine, nous sommes appelés aux urnes pour désigner nos élus européens. Nous poursuivons notre série d'interviews avec les candidats. Aujourd'hui, Mathilde Androuet, elle est chef de file du Rassemblement national dans les Yvelines, 22e sur la liste de Jordan Bardella. La liste de Rassemblement national est peut-être la seule liste qui défend clairement et qui a comme cœur de son action politique la défense de l'intérêt des Français. Donc à dire vrai, si vous voulez, vous considérez qu'un pays doit avoir des frontières, vous considérez que des clandestins n'ont pas à être relocalisés dans vos villages, que vous considérez que 80% de la richesse ne doit pas aller à 1% de la population et que, par exemple, l'État peut aider des entreprises privées à tenir le coup ou alors l'État peut aider à réindustrialiser le pays. Clairement, il faut choisir le Rassemblement national car c'est la seule liste qui défend justement ce genre de le localisme, l'intérêt des Français avant toute chose. Nous prenons une Europe des coopérations. Nous défendons l'Alliance des Nations Européennes, une alliance donc qui a en plus déjà eu des résultats. Ariane Espace, par exemple, est un très bon exemple. La coopération est ce qui marche le mieux entre des nations qui sont libres, souveraines, libres de choisir ce qu'elles veulent ou ne veulent pas pour leur peuple. Donc c'est l'Europe que nous défendons, c'est une Europe des libertés. Chaque pays peut choisir de sa politique nationale. On peut en effet choisir aussi avec qui coopérer de manière privilégiée. L'Europe est un espace culturel et politique intéressant qui peut faire face en effet au reste du monde. Donc il faut travailler à cette coopération, à cette réponse face à la mondialisation. Mais en même temps, ça n'occulte pas le fait que ce qui prévaut toujours, c'est la liberté de chaque peuple, la liberté de choisir s'il veut telle ou telle politique. L'urgence européenne est de rétablir certaines frontières. La priorité est justement de se retrouver entre Européens pour pouvoir construire un avenir européen. En effet, cette immersion a des conséquences économiques graves, mais aussi culturelles et sécuritaires. Donc il est le temps, à mon avis, pour apaiser l'ambiance qui règne en Europe, de mettre des frontières à cette Europe. Et toutes nos interviews des candidatés et candidats sont à revoir en replay sur notre site internet et application mobile. On passe maintenant à l'essentiel de la semaine. Et ce début de semaine marqué à Guyancourt par l'élection d'un nouveau maire après la démission de Marie-Christine Le Tarnec pour raison de santé. Lundi matin, les habitants se sont réveillés avec François Morton au poste de première édile. Sur ce plateau, il nous a expliqué vouloir achever le travail mené par ses prédécesseurs. Ma priorité au moment où nous parlons, nous sommes au mois de mai 2019, les élections municipales sont en mars 2020. Ma priorité en tant que maire est évidemment de pouvoir terminer un programme pour lequel les habitants de Guyancourt nous ont donné leur confiance en mars 2014. Que répondez-vous justement à ce qu'on a pu entendre de la part de Jean-Louis Carrière, élu d'opposition, qui dit que finalement cette élection, votre élection, n'est qu'une passation de pouvoir entre amis? C'est ses propos. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ce sont effectivement ses propos. Je lui laisse la responsabilité totale de ses propos. Si vous avez bien entendu ce que j'ai pu dire hier en conseil municipal, ce que je souhaite, c'est que le conseil municipal, et je pense que c'est une attente forte des habitants de la ville de Guyancourt, mais dans un contexte plus large, et on l'a vu par le contexte national, que les débats, notamment dans ce type d'instance, soient réellement des échanges de points de vue, pourquoi pas programmatiques. Nous allons rentrer dans une période de campagne, c'est une évidence pour tout le monde, mais il n'empêche que ça serait bien qu'on puisse effectivement avoir une certaine hauteur. Éducation à présent, et c'est mardi que Sciences Po Saint-Germain-en-Laye a lancé une formation inédite en France, un diplôme sur le renseignement et les nouvelles menaces. Le cursus va débuter en octobre, il sera ouvert aux étudiants, mais aussi aux agents déjà en activité. Reportage, Mélanie Poquet et Grégory Canal. Le renseignement, un monde plein de fantasmes alimentés notamment par les nombreuses séries télévisées sur le sujet. C'est pour ouvrir le secteur vers les domaines universitaires que Sciences Po Saint-Germain-en-Laye propose cette formation. Le DIREM, comprenez diplôme d'établissement sur le renseignement et les menaces globales, a été développé avec l'Académie du renseignement. Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, c'est un jeune institut d'études politiques, mais qui, en son sein, dispose d'une équipe très engagée sur ces questions de sécurité, de violence, de lutte contre le terrorisme, puisque nous sommes associés à un laboratoire de recherche qui s'appelle le CESDIP, qui est très orienté sur les questions de sécurité, les questions pénales de façon générale.
Le diplôme est organisé en 6 sessions de 3 jours consécutifs qui se dérouleront d'octobre à mars. Une formation de 160 heures environ divisée en 3 grands modules. Un module sur les menaces contemporaines, un module sur le renseignement et un module sur les pratiques et les techniques. Chaque module comporte 4 cours, 4 petits cours, avec des cours sur l'économie du crime organisé, un cours sur le djihadisme salafiste, un cours sur la violence politique et la radicalisation, un cours sur la cybermenace. Ces cours seront donnés par des professeurs d'université et des professionnels du milieu, même diversité de profils chez les élèves, formation initiale pour les étudiants Bac plus 4, formation en continu pour les agents des services de renseignement déjà en poste. C'est une manière pour tout professionnel d'avoir un éclairage universitaire, bénéficier des derniers résultats de la recherche. Une vingtaine d'étudiants composera chaque année la promotion du diplôme. Les inscriptions à la formation sont ouvertes jusqu'au 28 juin prochain. Le lycée d'hôtellerie et de tourisme à Saint-Quentin en Yvelines a accueilli cette semaine un groupe d'étudiants canadiens issus de l'école hôtelière de Montréal. Au programme, visite en entreprise ou encore visite culturelle, et ils en ont également appris plus sur les vignobles français. Aurélie Ronze. Très fruité, on est vraiment sur un vin qui est vraiment fruité, on sent vraiment le fruit. Quoi de mieux que du vin et du fromage pour mieux faire connaître le terroir français à des Canadiens ? Dans le cadre d'un échange, une vingtaine d'étudiants de l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal a été accueillis par leurs homologues guyancourtois. La France est le pays le plus visité au monde. Grosse clientèle pour nous au Canada. Donc c'était quelque chose, un passage obligé si on veut. Attendez, alors dégustation. Vous ne précipitez pas. Ajouter un corps dans mon arc, avoir plus de connaissances dans la culture du vin ou du fromage, c'est toujours sympa. Oui. Avant d'en apprendre plus sur les accords vin-fromage, le groupe d'étudiants a pu visiter les grands magasins parisiens ou encore le château de Versailles. L'occasion également de comparer leur formation dans le domaine du tourisme. Je trouve qu'ils ont des cours de marketing, par exemple, que nous, on n'a pas eu. Mais je trouve qu'on se rejoint sur beaucoup d'aspects, par exemple, quand on fait les tours guidés. C'est assez semblable à ce que nous, on a dû faire. On a remarqué quelques différences entre l'école française et l'école au Canada. Après, on n'en a pas plus parlé que ça, mais on a voulu apprendre à se connaître, apprendre les diverses expressions, la culture, parce que c'est vrai que c'est vraiment très différent. C'est la première fois qu'un partenariat est noué entre le lycée d'hôtellerie de Guyancourt et un établissement canadien. Ouvrir nos étudiants à des parcours internationaux. Pour l'instant, effectivement, ils sont uniquement sur un parcours européen. Et je pense effectivement qu'il y a des opportunités de travail au niveau du Canada et notamment au niveau du Québec. L'année prochaine, il est prévu que les étudiants guyancourtois partent à leur tour à la découverte du terroir canadien. Économie avec un événement d'envergure mondiale. Le salon Vivatech a ouvert ses portes ce jeudi 16 mai à Paris. Mais à la veille de ce rendez-vous, c'est vers les Yvelines que les regards se sont tournés. Le cluster Paris-Saclay a organisé sa journée consacrée aux innovations et aux start-up de son territoire. Nicolas Dandry. Une solution de livraison à domicile en l'absence du client. Voici la Fridgebox, un frigo stocké à l'extérieur de chez soi fonctionnant à l'énergie solaire. Objectif, recevoir ses produits frais commandés sur Internet et directement à son domicile. J'ai commencé les premiers croquis de la Fridgebox en 2015 et son évolution, son développement, les boîtiers électroniques, l'ensemble de la partie intelligence artificielle et blockchain est arrivé progressivement. Les précommandes sont déjà disponibles pour une livraison en juillet 2020. 5000 Fridgebox devraient être produites pour un coût total de 4 millions d'euros. Eric Eby est actuellement en levée de fonds et cherche de potentiels partenaires. C'est une super activité. Et pourquoi ? Parce que ça se positionne sur des secteurs et sur des domaines qui sont très d'actualité aujourd'hui, à savoir l'économie circulaire, le développement durable. Donc je pense qu'on a besoin de plus en plus de projets dans ce domaine-là. Des start-up, des chercheurs, des grands groupes, les acteurs de l'innovation de Paris-Saclay ont participé à cette deuxième édition de Spring, avec une complémentarité entre les territoires composant le cluster. Vous avez Saint-Quentin qui est le pôle économique, Saclay qui est le pôle plutôt scientifique et Versailles qui est plutôt le pôle culturel. Donc ces trois pôles, ces trois agglomérations travaillent ensemble pour préparer la France de demain dans les secteurs les plus concurrentiels. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. La journée de découverte des innovations s'est poursuivie à Élancourt sur le site d'Airbus. Le thème de la visite, la cybersécurité, présentation des enjeux, des menaces et des outils technologiques comme la CyberRange, une plateforme d'entraînement face à des cyberattaques. Elle va venir attaquer le serveur qui est ici et récupérer tous les utilisateurs qui sont dans ce serveur
et tenter de casser les mots de passe qui sont un peu faibles. C'est très intéressant pour nous de rencontrer des partenaires potentiels divers, aussi bien académiques, des écoles d'ingénieurs que des PME, des start-up. Et c'est exactement l'objet de Spring, qui est en particulier ici à Saint-Quentin-en-Yvelines et sur Paris-Saclay, où il y a un vrai dynamisme autour de la cybersécurité et de la digitalisation. Grâce à la protection de ses clients et à sa capacité d'innovation, Airbus Cybersécurité connaît de bons résultats économiques. Le groupe a réalisé une croissance de 30% de son chiffre d'affaires en 2018. L'actualité cette semaine dans les Yvelines, c'est également la publication aux éditions L'Archipel de l'ouvrage de l'ancienne directrice du refuge SPA d'Hermeray, N'abandonnez jamais. C'est son titre, revient notamment sur son licenciement survenu peu de temps après le passage du couple présidentiel pour l'adoption de son chien Nemo. Céline Ravenet était en plateau ce mardi. J'ai voulu raconter mon histoire parce que j'ai consacré toute ma vie à la protection animale et en l'occurrence à ce refuge d'Hermeray qui était un refuge merveilleux dans lequel j'ai passé 19 ans en tant que salarié et 15 ans en tant que bénévole. Et j'ai été licenciée injustement en mai 2018 suite effectivement à l'adoption du chien du président de la République. Enfin, on a trouvé un prétexte pour me licencier. La direction invoque à l'époque une faute grave à votre encontre, celle d'avoir euthanasié des chiens en dehors des protocoles et aussi d'avoir falsifié des documents. L'SPA a d'ailleurs porté plainte sur ce sujet. Comment vous l'avez vécu cet épisode? On a senti l'émotion tout à l'heure. Alors très mal. Il faut savoir que j'ai été auditionnée pendant 6 heures suite à 3 faux contrats de placement pour lesquels j'ai pu amener les preuves, comme quoi je n'étais pas à l'origine de ces contrats de placement. Le jour où j'ai été auditionnée, il y avait d'ailleurs un document de la SPA qui avait été tronqué. Donc oui, je l'ai très mal vécu. Ça a été pour moi une très très dure épreuve dans ma vie. Comme chaque semaine avec nos confrères de Via Grand Paris, chaîne disponible sur la TNT en Ile-de-France, nous faisons le point sur l'actualité régionale. Aujourd'hui, nous nous arrêtons à Paris, où la mairie vient de signer une charte avec les opérateurs de trottinettes électriques. L'enjeu est double, lutte contre le stationnement anarchique et sécurité. Des feux clignotants ou de positions qui s'activent. Ce système lumineux pourrait bien changer la vie des deux-roues les plus vulnérables, comme les trottinettes ou les vélos. C'est cet entrepreneur toulousain qui a imaginé et conçu le dispositif. Il se compose d'un boîtier électronique en forme de télécommande fixé sur le guidon, d'un harnais et d'une lumière. Il permet d'indiquer aux usagers les changements de direction, mais pas seulement. Vous avez en plus des clignotants, vous avez la possibilité d'allumer un feu de position. Donc ça, c'est idéal quand on roule la nuit. Vous avez aussi le feu anti-brouillard en cas de visibilité fortement réduite. Et aussi la possibilité d'allumer un feu de détresse. Tout ça avec deux boutons. L'objet pourrait bien faire des adeptes, notamment au sein des utilisateurs de trottinettes électriques. Rien qu'à Paris, plus de 15 000 engins sont en circulation et les accidents se multiplient. L'intérêt aussi qu'a le Click Light, c'est de pouvoir garder ses deux mains bien fixes sur le guidon, alors qu'aujourd'hui, pour signaler ces changements de direction, il faut qu'on utilise sa main. Et quand on lâche le guidon, ça peut être très dangereux. Donc là, le fait d'avoir ses deux mains sur le guidon, on peut se signaler grâce à la télécommande en roulant tout en sécurité. Le système lumineux sera disponible dans le courant de l'été 2019. Pour refermer cet hebdo, notre rubrique « Ça s'est passé, l'actualité » à travers nos archives. Retour sur l'inauguration de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, dont l'un de ses laboratoires, le Latmos, fête dans quelques jours ses 10 ans. Réchauffement climatique, hausse de 3% des émissions de gaz carbonique, diminution de 40% de la couche d'ozone au pôle Nord, autant d'actualités scientifiques alarmantes publiées par les équipes de l'Institut de recherche Pierre-Simon Laplace. L'IPSL, dont le siège se situe à l'OVSQ, le nouvel observatoire de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'objectif de l'observatoire de Versailles-Saint-Quentin, c'est de développer dans l'avenir ses recherches que l'on appelle intégrées, entre la compréhension du fonctionnement du système climatique en particulier et puis les réponses de la société aux grands bouleversements globaux.
On est école interne de l'université, c'est-à-dire qu'on forme effectivement des étudiants au niveau master à tout ce qui concerne les sciences de l'environnement, de l'économie et du territoire. Et comme ça, on peut former les gens aux métiers de demain autour du développement durable. Inauguration de ce campus de 30 000 mètres carrés ce lundi 4 avril, soit près de 2 ans après son ouverture. Mais l'attente n'est pas une nouveauté dans ce projet initié il y a presque 20 ans. Finalement, la persévérance et les financements auront réussi à faire sortir de terre l'observatoire. Sur un budget global de près de 32 millions d'euros, 70% ont été pris en charge par la région Île-de-France. C'est un des lieux université de recherche que nous avons le plus financé, mais parce qu'il y allait au fond d'une crédibilité française sur la question de l'observation climatique, l'observation de l'atmosphère, la question de la couche d'ozone, etc. Et je crois qu'en rassemblant ici la plupart des chercheurs pluridisciplinaires sur ce sujet, y compris dans les sciences sociales, je crois qu'on fait un travail exemplaire. Ce sont vraiment les meilleurs chercheurs, on peut dire, de notre communauté qui sont abrités sous cet observatoire. C'est grâce aux équipes du LATMOS, du LSCE notamment, que nous sommes si bien positionnés aujourd'hui pour pouvoir être entrés dans le classement de Shanghai. Et c'est aussi des domaines où il y a énormément de formation. Prochaine étape de ce campus universitaire, la construction de logements étudiants et la création d'une maison de l'étudiant, un lieu de vie consacré aux activités des étudiants. Merci d'avoir suivi cette édition. Prochain point sur l'actualité locale en direct lundi 18h. Nous parlerons notamment du Festival de Cannes avec la présence des Yvelinois sur la Croisette, réalisateurs, producteurs ou spectateurs. Excellent week-end.